c'est toi mon ami, marsupilami. Dans la jungle, le roi c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba. Attention, vous êtes prêts? Je vais tous vous griller. On va. C'est ça, Johnny, rêve. Un, deux, trois, partez! Et encore, t'as rien vu, dans la jungle, c'est le roi. Rien ni personne ne lui résiste. Une fois, j'étais bloquée dans une grotte avec une copine. J'étais en train de me battre avec le jaguar Gato Gordo. Et ça craignait vraiment pour nous. Les rochers qui bloquaient l'entrée de la grotte étaient énormes. Il aurait fallu une grue pour les soulever. Et alors là, Marsu a tout déblayé en un seul coup de poing. Ah, ta jungle, t'arrêtes pas de la raconter, ta jungle. Mais nous, on l'a jamais vue, ta jungle. Et si ça se trouve, t'es qu'un mytho, tu vas jamais dans la jungle. C'est vrai ça, si c'est tellement trop génial, pourquoi tu nous as jamais invités à venir? Vous n'avez qu'à venir et vous verrez bien. Ah ouais? Eh bien on vient demain. Ok, c'est d'accord pour demain. Salut papa. Hop, tu n'as pas des devoirs à faire. Si, mais pas beaucoup. Avant, je dois préparer un truc super important avec Marsu. Je trouve que tu passes beaucoup de temps à faire des trucs super importants avec Marsu. Et très peu sur tes devoirs. Allez, il me faut juste une heure, pas plus, c'est promis. Et après, je m'y mets. D'accord, mais une heure, hein, pas plus. Merci, papa. Bonjour tout le monde. Nya nya nya. Bon bah, je crois que là, j'ai tout le programme pour demain. Ça va être une journée d'enfer. Je vais leur clouer le bec à ces crâneurs. Merci. Oh, c'était mon père, non? Théo. Je crois que c'était mon père. Je vais rentrer. De toute façon, c'est l'heure. Oh.
T'as vu, Marsu, un cyber-bacalaï? Quand mes parents vont savoir ça? Je ne veux pas le savoir. Comme par hasard, il y a toujours une attaque de jaguar ou de chasseur. Alors, demain, tu resteras ici. Oh. Tu feras tes devoirs et tu t'occuperas de ta sœur. Ta mère et moi, nous allons en ville. Quoi? Demain? Mais c'est pas possible. J'ai invité tous mes copains ici. Eh bien, tu décroches ton téléphone et tu annules. Tu décroches ton téléphone et tu annules. Gna gna gna. Je vais me taper la honte, oui. Ouba hop! Non, pas ouba hop. Mon père m'a puni. C'est fichu pour demain. Les copains vont pas me rater. Ils vont faire la pire des réputations nazes de tout le collège. Oh non, mais c'est pas possible. C'est vraiment n'importe quoi. Alors là, Théo, t'es nul. C'est la honte pour toi. T'as rien trouvé de mieux? Attends, j'explique ça à Rudy et à Jenny. Il a peur qu'il nous arrive un truc pas cool dans la jungle. J'en étais sûre. C'est un mythomane. Ah, l'excuse de naze. Tu paries qu'il annule? Eh oh, pour qui vous me prenez? J'annule rien du tout. Et comment on fait alors? Je sais pas. Je réfléchis et je vous rappelle pour vous dire comment on fait, ok? Ok. On va? Je suis complètement fou. Si mon père me chope, je suis privé de sortie à vie. Tout ça, ce serait jamais arrivé sans ce nul de Back Alive. 3 ans d'économie pour me payer cette combinaison et elle a même pas de couteau à dégrer. Hein? Y a quelqu'un au secours? Par ici, par ici. Je me vengerai, marsupilami. Je me vengerai. Et sois sage avec ton grand frère, hein, ma chérie? Oui, sage. Bon courage, mon grand. On sera là vers 7h. Je vérifierai tes devoirs le soir, hein? Oui, pa. Au revoir, ma chérie. Tu avais dit que tu devais venir avec elle. Comment je vais faire pour Zoé? Mais qu'est-ce qu'il fait? T'es sûr que c'était là le rencard? Oui, je suis sûr. Il m'a dit. Voilà. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous en faites une de ces têtes? Oh, rien, Jenny. Bon, vous venez. Mais pourquoi elle est là, ta sœur? Mes parents reviennent à 7h, mais il faut absolument que je sois rentrée à 5h. J'ai encore des devoirs à faire pour le collège. Je devais les finir, mais on a été attaqué par Bacalaï. Il avait une drôle de combinaison. Une histoire de dingue. Genre cyber ninja avec des gadgets partout. Il a réussi à piéger Marsu et à kidnapper les bébés. On était vraiment... Et alors là, Marsu a fait valdinguer d'un seul coup de poing. Très drôle. Sois sage avec la Marsu, hein, Zoé? Sage, j'ai de l'amour. On y va, Marsu? Ça craint pas de laisser Zoé comme ça? Non, la Marsu l'a déjà gardée plein de fois avant. Allez, cette fois, c'est parti, suivez le guide. Ha ha ha!
l'arbre. Le dernier arrivé, c'est un âne. Et c'est de la triche. Moi je sais pas bien grimper au sol. Noir de café de sucre. Qu'est-ce que tu... Alors, c'est qui le mytho? J'espère que vous avez l'estomac bien accroché, parce que c'est que le début. Cette branche fera l'affaire. Non! Oh, du calme, mon minou, hein! La Marsu. Il y a quoi dans ton sac là? Ouais, sympa. Bon ben, si on faisait autre chose maintenant. D'accord, mais t'as une idée parce que là. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller voir les dauphins. Les deux que Marsu connaît. Ah ouais, cool, bonne idée. C'est pas si facile de les trouver. Et puis, il est déjà un peu tard, non? Mais non. Allez, t'inquiète pas, on y va, quoi. Bon, d'accord, mais je garantis pas qu'on les trouvera. Peut-être qu'avec mon système de propulsion, j'arriverai à casser cette fichue liane. Ohé, Daphné, Delphie, les dauphins. Laissez tomber, ils entendront rien comme ça. Y a que Marsu qui peut les faire venir. Transformé en carpette. Mais comme tu m'as libéré, je vais juste te laisser moisir ici et reprendre ma chasse au marché Pilami. Des devoirs à faire et puis je préfère pas laisser les bébés Marsu et Zoé trop longtemps seuls à la maison. Mais non, on n'a pas de devoirs, hein.
on peut continuer à jouer un peu avant que tes parents reviennent. Ouais, c'est vrai, il nous reste au moins une heure. Bonjour, la solidarité. Bon, bah, rendez-vous chez moi dans une heure. Alors, comme ça, la famille Marsupilami est toute seule chez les Dujardin. Oh, 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 oh. Vas-y, moi je vais appeler Marsu. Attention, ne bouge pas. Prêt? Oh, qu'est-ce qui se passe, Marsu? C'est la bonne. Ah, bon, quand même. T'as trouvé une piste d'apnée? Marsu, Théo, ici, il y a un lait. Tu vas me lâcher, oui. J'espère que mes parents ne s'en apercevront pas. Sinon, les sorties de roller, c'est fini. Alors, ne soyez pas inquiets, tout s'est bien passé. Puis, de toute façon, on arrive bientôt. Salut Théo, Anna. C'était trop cool. Ouais, une vraie journée d'enfer. Merci. Bon, bah, il me reste à peine le temps de faire semblant de travailler. On recommencera, dis, hein? Ouais, promis. Dépêchez-vous. Oh,
Oh. Salut. Salut. Oh, oh déjà. Mon bureau, mes machines, mes écrans, mes inventions. Oh, Théo! Ça a bardé, surtout quand il a découvert ses ordinateurs cassés. 3 mois sans argent de poche et sans sortie. Ça m'aura coûté cher d'être la star du collège. Enfin, on a grillé le plan de baccalauréat, c'est l'essentiel. J'espère qu'il aura compris cette fois-ci. Ouh, ouh, ouh.